Bonjour à tous, c'est Kensei, voici un top 10 des introductions qui m'ont le plus marqué et qui restent encore pour moi à ce jour inoubliables. Alors pour ce top, j'ai fait des descriptions assez courtes pour ne pas entacher à la visu des introductions proposées. C'est parti! Et à la 10ème place, voici l'introduction de Resident Evil Director's Cut sur PlayStation. La version non censurée, bien sûr. Tournée avec de vrais acteurs, ce qui était pour l'époque une révolution. L'ambiance de cette intro colle parfaitement avec le jeu et nous plonge réellement dans le titre. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. 9ème position, l'introduction de Demon Crest sur Super Nintendo. Sobre mais terriblement efficace. Des flammes, une musique oppressante et la gargouille qui apparaît dans le feu. Sublime. Thank you.
Et à la 8ème place, nous retrouvons l'intro de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 sur PlayStation et Saturn. Remettons-nous à l'époque de cette sortie. Voir une telle introduction en dessin animé était quelque chose d'extraordinaire. Une intro pleine de punch réunissant tous nos personnages préférés de la série. Et évidemment, pour la 7ème place, nous retrouvons l'introduction de Final Fantasy VII sur PlayStation. Une intro inoubliable et qui a marqué un bon nombre de joueurs à jamais. Une superbe musique et une montée en puissance unique. Pour la 6ème place, nous avons l'introduction d'Hellgate London sur PC. Une mise en scène démente poussée par une direction artistique travaillée rend cette introduction unique. Je vous laisse regarder et admirer.
À la cinquième place, l'introduction de Burning Ranger sur Saturn. Un dessin animé entraînant pourvu d'une musique pleine de punch, une intro qui donne la pêche. Burning. Quatrième place avec l'introduction de Final Fantasy X sur PlayStation 2. Une cinématique étonnante disposant d'une mise en scène exceptionnelle. Je vous laisse admirer par vous-même. Et voici l'intro de Yoshi Island sur Super Nintendo pour la troisième place. Une petite histoire racontée de fort belle manière sous fond de graphismes pastels colorés du plus bel effet. Une très belle introduction qui sera une parfaite mise en bouche de ce jeu d'exception. Thank you.
Et à la deuxième position, nous retrouvons l'introduction de Chrono Cross sur PlayStation. Superbe cinématique, entraînante et dynamique, avec une musique parfaitement choisie. Une introduction qui revient souvent comme étant une des plus belles jamais sorties. Et ce, à juste titre. Et nous voici donc avec la première place pour l'introduction de Soul Edge sur PlayStation. C'est bien simple, cette intro a tout pour elle. Je vous laisse l'admirer.